Salut les plongeurs, aujourd'hui je vous propose un épisode spécial sur le retour d'expérience par rapport à mon changement de matériel vidéo. À savoir, passage du Panasonic GH5 au Sony A1 et passage du dôme 180 mm au Nauticam WA-CP1. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, la petite cloche. Dans un premier temps, je vous expliquerai les bénéfices de cette configuration en chiffres et ensuite sous forme d'image. On se retrouve après ça. Quels sont les bénéfices du changement de caméra? Auparavant, avec le Panasonic GH5, au-delà de 800 ISO, les images étaient trop bruitées pour être exploitées. Aujourd'hui, avec le Sony A1, je dispose de deux ISO natifs à 800 et 4000 ISO, et j'ai aussi la possibilité de monter autour de 10 000 ISO avec un bruit de fond gérable. Alors que j'étais limité à 30 images secondes en 4K, aujourd'hui avec le Sony A1, je peux monter à 120 images secondes, toujours en 4K, en 4:2:2, 10 bits. Sur le Panasonic GH5, je n'utilisais pas le mode log, car l'image était trop bruitée pour les images sous-marines. Avec le Sony A1, je peux utiliser les modes S-Log 2 ou S-Log 3 qui me permettront d'augmenter, par conséquent, les possibilités de color grading avec DaVinci Resolve. La balance des blancs sur le Sony A1 est bien plus qualitative que sur le Panasonic. En plus, elle est très facile d'accès à partir du boîtier Nauticam. En bonus, le Sony A1 fournit un mode 8K en 4:2:2 10 bits et 30 images secondes. Ce mode permet de faire des crops dans DaVinci Resolve et d'obtenir des détails de fou pour vos vidéos. Je rappelle que l'on peut quand même ralentir un rush de 30 images secondes en dessous de sa valeur limite en utilisant des fonctions de DaVinci Resolve. Je vous invite à voir ma vidéo stabilisation dans laquelle j'explique comment on fait pour obtenir des images parfaitement fluides. Avec le Sony A1, je passe d'une dynamique de 12 stops à 15 stops. Cette différence est considérable lorsque l'on veut faire du post-traitement avec DaVinci Resolve. Le dernier point concerne l'autofocus, où l'on passe d'un système d'un autre temps à quasiment le meilleur autofocus aujourd'hui sur le marché. Les différences forcément sont énormes. Regardons maintenant les bénéfices du changement du bloc optique dans ma nouvelle configuration. Faisons d'abord un petit aparté sur l'objectif Sony 28-60, qui est un objectif d'entrée de gamme, donc peu onéreux, mais qui est reconnu pour avoir un bon piqué d'image et une très bonne homogénéité dans toute sa plage d'utilisation. Ce qui en fait le compagnon idéal pour l'objectif sous-marin Nauticam WA-CP1. Le fait que cet objectif soit peu onéreux permet d'amortir le coût important d'un WA-CP1. En effet, c'est un objectif sous-marin très onéreux. D'un autre côté, si vous devez équiper votre configuration avec un dôme, qui lui est cher, vous devrez y mettre un optique de type prime, donc un objectif très onéreux. Sincèrement, faites les calculs. Vous verrez que la différence d'une ou l'autre configuration est vraiment minime. Au final, les deux configurations vous demanderont un investissement équivalent. Le passage d'une configuration micro 4 tiers à une configuration plein format réduit considérablement la profondeur de champ. L'ouverture limitée de l'objectif 28-60 à f4 permet de compenser un petit peu en augmentant un peu la profondeur de champ, ce qui n'est pas franchement un mal. D'un autre côté, la faible luminosité de cet objectif sera largement compensée par l'ensemble de la configuration. L'objectif sous-marin Nauticam WA-CP1 permet de transformer l'optique 28-60 en très grand angle, tout en gardant les possibilités de zoom de celui-ci. Le plein champ obtenu, donc avec cette configuration, est à 130 degrés. On n'est pas loin finalement d'un fisheye, mais avec une déformation moins grande sur les lignes droites. On peut considérer le WA-CP1, même s'il y a quelques déformations, comme un objectif rectilinéaire. Les performances des lentilles du WA-CP1 sont de très grande qualité, qui fait qu'une grande quantité de lumière est redirigée vers le capteur de la caméra, et donc ça améliore toute la sensibilité de l'ensemble. Le Nauticam WA-CP1 est un objectif parafocal, c'est-à-dire qu'une fois que l'appareil a fait la mise au point, si vous zoomez avec votre objectif, eh bien, la mise au point ne sera pas impactée, ça évite les flous dus au fait que vous zoomez pendant un rush. Probablement le gain le plus important du Nauticam WA-CP1, c'est que l'image sera nette d'un bord à l'autre du champ, partout sur votre image.
contrairement à une image restituée par un dôme où vous aurez le plus souvent le centre parfaitement net et les bords un peu moins nets. Après, ça dépend aussi de la qualité du dôme et de l'objectif, mais néanmoins, vous aurez une dégradation. Avec le Nauticam WACP1, attendez-vous à une image parfaitement nette, du moment qu'elle est sur le même plan, d'un bord à l'autre de l'image. Grâce au WACP1, j'ai accès à des images de très grande qualité, quelle que soit la distance par rapport à l'objectif, du très grand angle au quasi macro. Je me propose de vous le démontrer avec une série d'images commentées qui suivent. Ici, le grand angle me permet d'accéder à un champ de 130 degrés, couplé à une réduction de la vitesse par 4 grâce aux 120 images secondes, ou bien à vitesse réelle. Voilà le résultat. Regardons maintenant la netteté sur les bords de l'image. Agrandissons 4 fois les bords et le centre, et nous verrons donc que la qualité est équivalente, quel que soit l'endroit où l'on regarde l'image. Autre exemple, un récif à 6 mètres, 130 degrés de champ. Fabuleux, non ? Pour des sujets à quelques mètres, où l'on veut faire un gros plan, si l'on actionne le zoom du 28-60, on obtient une image très claire, très nette. En agrandissant 3 fois l'image, vous voyez le niveau de détail. Sur ce rush, le longimanus arrive de loin et se rapproche jusqu'à 1 mètre. L'objectif est ouvert plein champ à 130 degrés. La netteté est parfaite du début à la fin du rush. Les 120 images par seconde font leur effet. Je peux ralentir la séquence par 4 ou pas. Je peux aussi le laisser à vitesse réelle. En quasi macro, je suis à quelques centimètres du corail, donc attention à l'objectif. Je zoome avec le 28-60, donc je suis sur un champ à 69 degrés. Sur ce plan, je zoome sur le verre planaire d'environ 1,5 cm. Je suis à moins de 20 cm du sujet. Pour ce poisson crocodile, je ne pouvais pas m'approcher à moins d'1,50 m. Il aurait fui. Donc je zoome avec le 28-60 et j'utilise une fonction de crop du capteur du A1 qui me permet de zoomer d'un facteur 2 supplémentaire. Pour cette race FN, j'étais à environ 10 cm, ouvert plein champ à 130 degrés. Lorsqu'elle s'en va, j'avais dézoomé. Tout est net, tout est fluide. Enregistré en 120 images secondes, le ralenti est parfait. La 8K, à quoi ça sert ? Ben ça sert à cropper. Regardez le niveau de détail. Dingue, non ? Ici, sur cette épave, je veux me rapprocher. Je peux cropper dans l'image en post-production. Fabuleux. La 8K, en fait, aujourd'hui, ne sert pas à diffuser. Elle sert à aller chercher des détails lorsque l'on a filmé de trop loin. Parlons maintenant de la dynamique du capteur. Je suis ici à 58 mètres de profondeur. 58 mètres. Regardez les détails, les couleurs. Il n'y a pas d'éclairage artificiel. Ce plan est filmé en lumière naturelle, à 30 mètres de profondeur. Dynamique du capteur en environnement sombre. Ici, dans des caves 10 mètres, peu importe la profondeur, regardez les détails de couleur. En post-production, on peut éclaircir, choisir son ambiance. Pas un problème. 15 stops de dynamique. La netteté et les détails restent inchangés. Je vous laisse terminer ce retour d'expérience en images. Thank you.
n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la stabilisation, cliquez en haut à gauche, où j'explique comment ralentir une vidéo au-delà du raisonnable, donc ici 30 images secondes ralenti à 50%, et obtenir un résultat parfaitement fluide. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo un peu spéciale. N'hésitez pas à poser des questions, je vous répondrai avec plaisir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, la petite cloche. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt les plongeurs.